Salut les voyeurs. C'est du grand n'importe quoi. Pourquoi tu dis ça? Il est midi. Bah un peu comme hier. Ouais, franchement. Mais on s'est encore levé, il devait être près de 10h. On rame le matin. Ouais. On s'est couché tard hier. 1h du matin. Ouais, je sais pas terminé, ce qu'on a fait. J'ai terminé, ouais, j'ai fait la vidéo à 1h du matin. Bah on est rentré tard en fait. Aussi, bah écoute, puis on profite un peu quand même, c'est le but du jeu, non? Exactement, donc alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on mange. Oui, on attaque par le repas. Alors, pour ce midi, ce sera du riz et du porc trois façons. Ouais, c'est vrai. Donc, un curry de porc, un porc braisé et... Et du porc. Et des gros lardons. Pour moi, j'ai pris la même chose que maman, sauf que j'ai rajouté quelques pommes de terre et également du chou. Voilà. Et bien, écoute, c'est un bon repas. Et oui. J'ai pas regardé, donc combien ça coûte tout ça? 28 ringgit, ce qui fait 5,72€ exactement pour tous les deux. On est bien, maman, bah, pour un très bon repas, franchement. Bah oui. Sinon, comme d'habitude, on a super bien dormi. Ouais, très bien. Et on est content d'être de nouveau pour une nouvelle journée à Kuala Lumpur. Merci, Wiki. Bah oui, j'ai vu que tu mangeais, donc je me suis dit, c'est moi qui vais faire l'annonce. Donc on prend des forces parce que ça va être encore une grande journée. Il fait déjà très très chaud, le ciel est bleu. Et oui, effectivement, la balade, juste après, on va avoir chaud. On vous dit quand même, on est dans le quartier chinois, c'est juste la parallèle à notre hôtel. Ah oui, on est à deux pas de l'hôtel, bien sûr. On avait trop faim, on pouvait pas aller plus loin. Super bon, le curry. Spicy, mais bon. Ouais, mais oui, bien spicy, ouais. Garden Kuala Lumpur, maman, le jardin du lac, un lac artificiel, un des plus beaux jardins ici à Kuala Lumpur. On a bien fait de manger et de prendre des forces parce qu'il est immense. Carrément. Géant. Waouh. Thank you.
il fait super chaud. C'est une bonne idée, dis donc. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas la Malaisie, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de venir en Malaisie, je vais vous décrire un peu le climat ici. Vous voyez le hammam, est-ce que vous avez déjà fait un hammam? Si oui, donc cette chaleur humide, vous êtes assis sans rien faire, vous dégoulinez. C'est ça, grandeur nature. Oh là là, c'est terrible. Donc là, on est à plus de 35 degrés, mais avec un taux d'humidité extrêmement élevé. On transpire de la moustache. Ah, on transpire pas que de la moustache. C'est pas parce qu'on s'est baladé dans cet écrin de verdure, c'est joli, ça fait du bien aussi, c'est calme. Ouais. Mais côté fraîcheur, il n'y a rien, on n'y gagne rien. Hein. Oui, on a la même température qu'en centre-ville sans la climatisation. quand les magasins s'ouvrent et que la clim sort, là non, clims. Le seul moment où on sera bien, c'est quand on va reprendre le métro. Oui, c'est ça. Mais il faudra retraverser tout le jardin et il est immense. Et oui, parce qu'en plus de ça, Wiki a eu la bonne idée d'aller visiter un autre parc. Mais oui, maman, il suffit de traverser la route, là, on arrive à la sortie et on est dans un deuxième parc. Très qui, bien. Je pense, est très sympa. T'as et intérêt. En plus, normalement, juste à la sortie, on devrait avoir une tour de l'horloge. Donc, t'es un petit malin, une toi. Pierre deux coups. T'es un petit malin. Wiki ? La tour de l'horloge du jardin du lac. Mais il n'y a pas d'horloge. Là, tiens, la tour. Elle est là, l'horloge. Ouais, c'est bien. Viens, donc on traverse. C'est là. C'est ça tes monuments là? Mais non maman, c'est pas ça. Voyons quand même. Wiki artiste. Eh oui, il y a des jolies sculptures quand même. C'est de l'art moderne mais c'est joli. Ouais. Oh, regarde cette pierre là-bas. Sur les hanches, bien sûr de lui, mais ce que je vois, hop, c'est que c'est fermé, Wiki. Je sais pas si c'est fermé ou si elle est. Essaye de bouger le portail. Peut-être. Non, il y a une serrure. Ah là 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 là. Peut-être qu'il y a une autre entrée, tout simplement, maman. Et oui, il y a des gens qui sont là-bas, près du monument. Donc il y a une autre entrée. Allez, viens. C'est interdit de passer par là, Wiki. Mais non, c'est pas interdit, c'est un jardin, maman. Les gens qui viennent et tout. On le voit très bien d'ici, hein, le monument. Ouais, grâce à mon parcours, ça permet d'admirer ces magnifiques bougainvilliers. Ils sont très beaux, c'est vrai. Et oui, ils sont très beaux. Et voilà, on a trouvé l'entrée. Donc ici se dressent différents monuments. Dont un peu plus loin, je te vois plus. Le Tugu Negara. C'est le monument national qui est dédié en l'honneur de toutes les personnes qui ont perdu la vie lors de la lutte et donc des combats pour la liberté de la Malaisie. C'est important de venir quand même faire un tour ici quand même. Bien sûr, mon Wiki. Je ne sais pas. C'est à quoi? C'est un jus de pomme? Oui, pomme. Ah, je veux goûter. Oh. Ah, Tropicana en plus. Bah, tranquille. Ça fait du bien. Mmh. Oh. Moi, j'ai pris un thé au citron. Hein. C'est pour dire ça que tu voulais prendre la parole? Non. Encore une minute de glandage face à un beau paysage. Oui, tout à fait. Eh oui. Des sculptures de l'art moderne. Oui, c'est très bien. Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Quelqu'un vient de m'offrir une petite glace. Ah bah c'est gentil. Alors, des Big Time. Montre à quoi ça ressemble. Des petits cubes à la vanille et au caramel. Attention. Ah, c'est sympa. J'en veux. Eh oui, non, tu n'aimes pas les glaces. Regardez-moi ça. Hop, hop. Petits cubes à la vanille et au caramel. On croque. Fais-moi croquer ce bout. Attends. Ne mets pas trop près. Mais je sais.
Je gère ma caméra. Là. C'est pas mal, hein. Des petites bouchées rafraîchissantes. Ah, tu vois? Oui, qui je gère? Tu gères rien du tout, la batterie vient de s'arrêter là. Viens, on va jusqu'au bout. Il restait 6%, je pensais que ça irait, mais tu parles, non, tu parles. Non, pas du, mais c'est pas du tu tout. Parles, et puis voilà, quoi. Tu parles pour dire des trucs pas intéressants. Dommage quand même que tous ces monuments ce soient en réfection. Mais bon. Ils seront plus beaux la prochaine fois qu'on viendra. On reviendra. Voilà, on traversera tout le jardin par 45 degrés. Et voilà, changement de plan. Comme d'habitude, maman a décidé de changer nos plans. Eh oui. Fallait se retaper 4 km pour retourner jusque dans le parc, enfin jusqu'à l'entrée de métro. Ouais. Et en fait, non, j'ai décidé que les 4 km, on les faisait dans cette direction, ouais, vers les tours de Petronas. Oui, c'est magnifique, ouais, on a une belle avenue, hein. Franchement, c'est deux fois deux voies, mais très très bien entretenue. Ouais, vert, ouais, et tout. Franchement. Fais voir, Wiki, fais voir. Deux minutes, m'amour. Laisse-moi le temps quand même. D'abord, j'apprécie, et ensuite, je montre. Mais on t'a vu, ça t'amuse, hein? Ah, la première fois qu'on était venu, Wiki avait fait un speech ici. T'arrêtes, à chaque fois je t'entends. Je suis en train de parler. Ouais, c'est ça. On avait recommencé au moins 42 fois, il connaissait pas son texte. Bon, c'était on le début. On n'a pas de chance quand même. À chaque fois qu'on vient, il y a des barnums devant. Oui, c'est vrai, on n'a pas de chance, Wiki. Donc, Dataran, Merdaka, la place de l'indépendance. Mais je ne vais pas parler pendant une heure. Hein. Non, tu ne vas pas parler non, pendant exactement. Une heure. Il faut juste savoir que le 30 août 1957, ici, on a baissé pour la dernière fois le drapeau anglais. Il et est on là-bas. On a fait pour la première fois ce magnifique drapeau malaisien en haut de ce mât de 95 mètres de haut. L'un des plus hauts du monde. Voilà, ça s'arrête là. Et toujours pas de chance, il n'y a et pas ouais, de vent. Toujours pas de vent et on ne le voit pas flotter. Mais t'inquiète, il est bien accroché maintenant. Bon, je vous fais un petit tour d'horizon parce que franchement, c'est magnifique, je trouve. Bravo, moi aussi, je vais faire comme toi. Bravo, oui. Regarde, maman, j'ai le droit à ma tour de l'horloge, mais oui, avec une horloge cette fois-ci. Donc, je disais, c'est magnifique et le contraste entre l'ancien et le moderne, la verdure, franchement, c'est la classe. Très belle capitale, Kuala Lumpur. Immense place de l'indépendance. Vous le voyez, Wiki, là, en tout petit. Il s'est mis devant, c'est pour mieux réviser. Il va vous parler d'une fontaine et d'un flic. Je sais, moi, il va vous dire que vous trouverez ça que sur la chaîne Osebo. C'est une exclusivité, ah oui. Une exclusivité Osebo. Bon, c'est pas cette fontaine, hein. Wiki la trouve pas, la fontaine dont il aimerait vous parler. Il cherche désespérément. Je trouve pas, maman. Ça, c'est la fontaine Victoria. Il est écrit, enfin, j'ai lu un article qui disait qu'au pied du mât, il y avait une fontaine. Mais déjà, il y en a une, deux, une fontaine, la fontaine du flic. Ça aurait été une exclusivité d'Osebo quand même. Ah oui. Construite en 1897 en l'honneur d'un inspecteur très populaire ici en Malaisie, l'inspecteur Steve Harper. Pas Ben Harper, hein, non, ça n'a rien ben à voir. Sauf que je ne trouve pas cette fontaine. Oh. Et que je ne trouve plus d'informations sur... sur internet. Bon, c'est pas très grave. Écoute, on va faire sans cette fontaine. Bon, tu as filmé la fontaine Victoria? Oui, tout à eh fait. Ben, c'est très très bien, c'est parfait alors. Ah, il est déçu. Je sens qu'il est déçu, il va vouloir manger une glace bientôt. Je t'entends. Tu peux remontrer les murs peints de cette ville parce que je sais que tout le monde ne va pas voir notre playlist Malaisie 2022 alors qu'on a déjà fait un tour dans cette ville. Pour ceux qui s'ennuient quand vous ne savez pas quoi faire, allez faire un saut. Eh oui. Et oui, allez faire un tour sur la playlist Malaisie 2022. Non, j'insiste parce qu'on va rester ici que deux jours, ouais, et on va pas voir toutes les beautés de cette capitale. C'est tandis vrai que sur les autres vlogs, vous allez avoir un peu plus. Mais ça me permet quand même de tester des nouvelles boissons. Encore une découverte pour moi, de l'eau de châtaigne. Alors, en fait, tu m'as pas dit c'est bon? Oui, c'est très bon, oui. Bon, moi j'ai pris le 100 plus. C'est oh mince, il y a carrément des petits morceaux de châtaigne dedans. Oh, ça va pas te plaire. Non. Tant mieux, je vais pouvoir profiter de ma boisson. Ah.
Bah, c'est pas terrible avec des morceaux, franchement, ça fait boisson périmée. Mmh. Et toi, c'est quoi? Ah oui, c'est un truc de sport. Ouais, ben. Oui. Il faut au moins ça, hein. C'est pas très bon, hein, c'est comme le Vista Scorbol. Ouais, c'est pas top. C'est hein. les boissons énergisantes. Isostar. Souvent, elles sont pas terribles. Ça fait penser à ça, la pauvre Isostar. Hein. On verra si je suis énervé. Magnifique, hein. On a la tour, Menara, la télécommunication, la mosquée juste devant nous. On est beau, hein. On est beau? Non, oh, c'est beau. Ah oui, oh, c'est beau. On est bien, je voulais dire, en fait. Là, force. Et voilà. Et oui, il y avait longtemps. Oui, c'est vrai. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était en Inde. Ouais. Je sais plus le nom. The name? Jelabi, c'est ça. Jelabi, j'allais dire Djebali. Mais Djebali, c'est pas ça, c'est un joueur de foot. Ouais, tu dis n'importe quoi. Sweet. C'est très sweet, ouais. Yes. Killing it? Tout. Et voilà. Dis donc, j'en ai un sacré paquet. Hein. Thank you. Thank you so much. On va voir tout de suite si c'est le même goût qu'en Inde. Je sens déjà que c'est pareil. Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a une grande population indienne ici. Ah oui, là oui. Mais d'ailleurs, tout ce qu'on a mangé, quasiment... C'est indien. Ouais. Super bon. Extrêmement sucré. Rien à dire. On est des dingues, oui, c'est ça? On était rentrés tranquille, se mettre un peu à la fraîche pour tout vous dire. Oui, puis commencer un peu le travail parce que comment c'est qu'on va rentrer tard? Oui, on s'est dit, si on allait leur faire de belles images de nuit... On va essayer, mais... Ouais, on va essayer. Là, la météo est pas avec nous. Quand on voit ce qui se prépare là-bas, ouais, on va obligatoirement se le prendre, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. On prendra le métro pour rentrer. Ouais, là, on va à pied. On en a pour une demi-heure. Mais c'est super je pense droit. Que là, on... On joue avec le feu? Non, on joue avec la pluie, maman. On a pris des risques. La ville est quand même bien étudiée, hein. Ils ont prévu en cas de pluie... C'est exactement comme à Singapour. Ouais. Il y a de quoi s'abriter quasiment partout. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, il y a toujours un moment où on prend la faute, mais en grande majorité, on peut s'abriter. Il est quasiment 19h, en voiture. C'est pas une bonne idée. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il n'aura pas fallu attendre longtemps, un petit quart d'heure, et les premières gouttes sont en train de tomber. Bah, en fait, c'est surtout que ça arrive quand on est à découvert. Ouais. Ça aurait pu arriver quand on était protégé. C'est parce qu'on n'est pas sur l'axe. Il est juste 20 mètres à droite, et là, on peut être abrité. On va s'y rendre. On va pas pouvoir éviter la pluie, maman. Non. L'immeuble est en construction et du coup on n'est pas abrité. Ouais. Donc il faut se lancer. Hein. Bon bah tant pis. Hein. Allez, j'y vais. On s'est bien fait saucer. Ouais, bravo. Waouh. Bon, normalement, il pleut pratiquement tous les jours, ça dure pas bien longtemps, mais ça dépote, ouais. Ouais, grave. Ça se trouve, dans 20 minutes, c'est fini. Là, c'est déjà moins fort. On va voir, on continue, et puis si vraiment c'est pas possible, on arrêtera, maman. Ceux qui ont tout compris, c'est les petits vendeurs de parapluies, hein. Ils sont tous là, dehors.
dans ce mall que nous allons nous quitter parce que c'est ici que nous allons attraper la crève. Le pavillon, voilà. Et donc si on ne nous voit pas demain, on est mort quelque part dans un coin ici, frigorifié. Il doit faire 12 degrés. Bon, la clim est à fond. Mais ça fait du bien quand même. Bah, déjà on est abrité de la pluie, même si ça a quand même bien diminué au niveau de la force. Quoi. Ouais, parce qu'il y a des endroits, comme on vous l'a dit, on ne peut pas éviter la pluie. Non. Et ben voilà, on est bien. Ben oui, on est bien. On a passé là. Une très belle journée, je trouve. Oui, pleine de contrastes une fois de plus. Ah ouais, un peu de verdure ce matin, enfin ce matin, en début de vidéo, parce que c'était déjà le début d'après-midi. Et puis ensuite, on est revenu dans le centre. Voilà, ouais, au cœur des buildings. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit, les petits. Tu vois, ça commence déjà. J'ai commencé à être malade. Ouais.